On se retrouve là sur la tradition, sur le séculaire, surtout en Chine. Et on se retrouve aussi sur des choses très très légères, très très fines. Je sais peindre verticalement sur un chevalet. Je sais peindre à plat en utilisant mon poignet. Et au niveau calligraphie, ce auquel on ne pense pas souvent, c'est que la calligraphie se fait sur une table de calligraphie, donc elle se fait horizontalement. Elle ne se fait jamais verticalement. Il y a une grande, grande protection de la végétation en Chine, et notamment des arbres, qui est un des 5 éléments de l'Orient. Donc là, ici, c'est ce que j'ai représenté, plutôt du végétal, et puis un petit côté féminin que j'aime bien représenter dans mon propre travail. Oh. De l'autre côté, trace de pas. Au singulier. Il y a 7 traits bien réglés et qui sont dans un sens particulier. C'est inconcevable d'écrire, par exemple, un L ou un accent circonflexe. On commence toujours de la gauche vers la droite. Donc c'est le même principe. Même après, s'il y a une interprétation artistique, il ne faut pas oublier que c'est un signe, c'est une calligraphie et ça veut dire quelque chose. Donc c'est une écriture. Le verre est une matière éternelle et donc moi j'ai choisi cette partie-là parce que c'est plus dans ma sensibilité et on va pouvoir imprimer des traces, donc plutôt chinoises, calligraphiques et puis plutôt dessin et écriture européenne. Ça ne me dérange pas. Un léger sablage par endroit, ça ne me dérange pas. Il y a des phénomènes comme les aurores boréales, les étoiles filantes, et la légèreté de nos suspensions est une symbolique de ces traces éphémères. Je vais préparer des silhouettes de femmes. C'est une recherche d'harmonie entre le dessin chinois, le dessin européen et la calligraphie. Tracer dans le sable, c'est important parce que c'est comme ça aussi qu'on apprenait l'écriture. Le sable, c'est éphémère, un petit coup de vent, ça représente nos vies qui s'évaporent et qui s'effacent au bout de quelques années. Nos traces seront imprimées grâce au verre qui va fondre dans le sable, comme des fossiles.
C'est totalement réussi. C'est le résultat de ce que je désirais et je connaissais pas le four. Donc c'est le résultat escompté. Même ces petites subtilités là, elles se voient. Le paravent a une utilisation ici qui est ancestrale et il était impossible de ne pas passer par cet objet vraiment symbolique pour y laisser une trace, une empreinte. Mm-hmm.